Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et aujourd'hui on se retrouve pour Returnal sur PC. Alors voilà, ça faisait longtemps, comme d'autres jeux d'ailleurs, que j'avais très envie d'y jouer, depuis que j'avais vu un petit peu de gameplay sur... C'était quoi, c'est sur PS4 ou PS5? Il est sorti PS5 hein, il me semble. PS4, j'ai un doute. Bref, le jeu m'avait un peu tapé dans l'œil, mais j'allais pas m'acheter une console pour ça. Je vais pas acheter une PlayStation 5 juste pour jouer à un ou deux jeux dessus. Je suis désolé. Donc, quand il est arrivé sur PC, j'étais très content. Alors, j'ai hésité. J'ai vraiment hésité, ce qui fait que c'est pour ça qu'on n'avait pas le vrai début du jeu, hein, et que j'ai déjà une arme. C'est que j'ai hésité quand même. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas en vidéo? Parce que j'avais envie d'essayer. J'ai envie de partager le truc, quoi. Vu que ça va être vraiment une grosse découverte pour moi. Et au final, voilà. On va partager ça. On verra selon ce que ça donne. Si ça fait zéro vue, je continuerai de jouer de mon côté. Sinon, signalez-vous, hein, les commentaires, les likes, les abonnements, tout ça. Hein. N'hésitez pas, ça aide. Aussi bien la chaîne que moi pour garder ma motivation. Ok, ça sert à rien. Je suppose qu'il faut un grappin ou un truc du genre. Voilà, donc j'ai vraiment pas été très loin et de ce que j'ai... Bon, de ce que je comprends, ça me fait vaguement penser à Triangle, qui est un film d'horreur pas super ouf, mais qui part sur le principe de la boucle temporelle. Donc, vu que le flingue, on l'a récupéré sur un cadavre. Le cadavre de qui ? De notre personnage. Donc on joue une astronaute qui s'est crashée sur une planète. C'est Atropos, je crois. C'est une planète ou une lune extraterrestre. Excusez-moi. Et comme c'est là, on a récupéré l'arme sur le cadavre d'un éclaireur comme nous. Et qui s'appelle Sélène, comme nous. Donc je suppose qu'il y a un truc de... Oh, les effets de lumière sont quand même pas dégueux. Hein. Il doit y avoir un système de boucle temporelle ou quelque chose comme ça. Je me suis vraiment rien spoilé du jeu quasiment. Je sais juste que c'est... J'abandonne Helios. Putain de beau. Je me dirige vers le signal de l'ombre blanche. C'est putain de beau. C'est basé sur des cycles, amélioration du matos, etc. Alors, c'est pas super clair à l'écran. Donc, avec YouTube qui a tendance à rendre encore plus sombre, je sais pas ce que ça donnera. Mais j'aime vraiment... Ouf, hop là. Ce jeu, en fait, s'il y a bien quelque chose qui m'a tapé dans l'œil, c'est la DA. La DA, elle est putain de sublime. C'est splendide. J'adore ce genre d'environnement, ce genre d'ambiance, c'est vraiment bien foutu. Alors, il risque d'y avoir des ralentissements, etc. J'ai un bon PC, mais faut pas exagérer. Hein, voilà. Et j'espère que ce sera fluide à l'encodage, parce que sinon là je vais vraiment faire la gueule. Normalement il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc là on arrive normalement pas loin de là. Ouais, on arrive là où j'ai retrouvé mon cadavre. Enfin mon cadavre de quelqu'un qui me ressemblait. Alors on va de nouveau récupérer ça. Merci. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Parfait. Et donc, voilà, j'ai pas été plus loin que ça. Générateur de combinaison, ok. Route optionnelle, ouverte, fermée, Helios, xénoglyphe, portail. La vache. Ça m'a l'air franchement cool. Et on est donc sur une planète où il y a eu une civilisation extraterrestre. Des aliens! Alors c'est quoi cette merde-là? Objet non découvert, analyse préliminaire, approche sans danger, peut s'avérer matière pour scanner. Grand silphium, répare les dégâts d'intégrité majeure. Ok, c'est d'huile. Et du coup, là, la combinaison est de nouveau cool. Système de détection, très sympa. Porte suivante. Ah,
Elle a l'air verrouillée, celle-ci. Porte d'unité verrouillée par une serrure. Nécessite une clé. Ok. Donc on peut le voir, c'est un TPS. Oh là là. Ouais, je... Holy shit. Ah non, mais cherchez pas, hein. Là, je suis totalement... Oh. Oh. Finesse. C'est bon, on peut passer? C'est splendide. L'environnement, c'est nom de Dieu de... Bordel de merde. Ah. Oh. Il y a des bestioles. Elles sont bien foutues. Mais c'est quoi ce truc? On dirait un amas. C'est à la fois tentaculaire et... Ouais, ça boule, ça balance. Espèce hostile abattue. Ouf. Niveau d'adrénaline. Attendez, didacticiel. Votre niveau d'adrénaline augmente chaque fois que vous éliminez 3 ennemis jusqu'à un niveau maximum de 5. Si vous subissez des dégâts, il est réinitialisé. D'accord, donc en fait faut pas se faire toucher en... Ok. Analysons. J'ai trouvé un journal de bord. Je l'ajoute à la base de données. Début. Ok, est-ce que je peux le lire? Journal de... Ah, je peux pas quitter le... D'accord. Journal de reconnaissance. Atropos. Temps écoulé. 30 minutes depuis le dernier crash. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme les pièces d'un puzzle fluide après chacune. À chaque fois que je reviens, selon le protocole Astra, je ne serai pas récupéré tant que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé aussi. Ok, donc en fait, en fait, il n'y a pas de mystère. Oh bah merde. Temps écoulé. 30 minutes depuis le dernier crash. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme les pièces d'un puzzle fluide après chacune de mes... Chacune de tes morts, tu peux le dire. À chaque fois que je reviens, selon le protocole Astra, je ne serai pas récupéré tant que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé aussi. Oh. Je me rappelle pas avoir enregistré ça. Ouais, ce qui fait que le... En fait, le jeu, il claque un petit peu son effet, là, directement. Mais la curiosité sera toujours présente. Et là, c'est quoi? Analyse. C'est une clé. Clé atropienne. Voilà. Et je suppose que notre matos aussi va s'améliorer avec le temps. Hop là. Insertion de clé. Et on ouvre et on avance. Ouf. Doucement. B pour une ruée, maintenez pour une ruée plus longue. Ah d'accord. Voilà. Il y a beaucoup de mobilité là-dedans, c'est cool. Alors ça c'est bien, mais moi ce qui m'intéresse... Il y a des trucs là derrière. Système de sécurité découvert. Est-ce que je peux passer?
Yes. Yeah, c'est trop cool ça. Wouah, les jumps de fou. On peut vraiment aller loin. Je suis preneur. Donc le jeu nous apprend. Tranquillou. Vision amplifiée, niveau adrénaline 2. D'accord. Bien sûr, ça c'est juste des mobs de merde, donc je suppose que par après ça va être beaucoup plus violent. On récupère du matos, des données, je sais pas trop à quoi ça va servir en fait ces items là. Enfin, ces trucs jaunes. Ok, et là c'est quoi? C'est une clé? C'est une autre clé ça? Clé nocive, ouvre des portes et des conteneurs sécurisés mais infectés par la nocivité. Ils peuvent provoquer des dysfonctionnements. Les obolites disparaissent 1,5 secondes plus tôt. Ok. Effet négatif déclenché par les objets nocifs ou les parasites. Il a été réparé un dysfonctionnement en accomplissant la tâche indiquée sur la gauche de l'écran. Pour récupérer des reliques. Alors ça c'est cool comme idée. C'est quoi cette merde? Ça a l'air organique. Ça me parle quoi? C'est cool. C'est quoi cet ignoble? J'ai découvert des corps d'une espèce extraterrestre. Oula. Il doit s'agir des architectes de ces ruines. C'est peut-être okay. Eux qui diffusent le signal de l'ombre blanche. Alors il y a un petit côté Scorn là-dedans, je trouve. Un côté Scorn, un côté Alien. Truc, comment ça s'appelait Alien Covenant. Ça a l'air d'être grave la joie. Et je vais aller par où du coup là? Par ici? Prédateur hostile au conflit. Je peux le buter, je peux pas le buter. Si, je peux. J'ai eu ça, le très agressif. Waouh. Abattu avec difficulté. J'aurais pu le perfect. C'est le pompon. C'est quoi ce truc? Calibrateur cassé, confère un peu de maîtrise arme. Yeah, je prends. Waouh. Ah, c'était cool là. Très cool.
La jauge de vie est pas facile à voir sur la bestiole, mais... Ça va, quoi. C'est quoi, ça? Chargeur d'armes atropien. Nouvelle technologie découverte. Elle améliore mon arme grâce à un mécanisme de tir secondaire. C'est très efficace. Wow. Ça va m'être utile. Pas oublier le tir secondaire et sur cette gâchette, d'accord. Va me falloir du heal par contre là. Attendez donc, il y a une porte ici en dessous. Ouf. What the... Je viens de me prendre un laser. Il est sorti d'où ce laser? Ok, donc première itération où je viens de me faire buter. Je me suis fait lyncher. Ceci déverrouillé, éternel retour. What? Elios! Ok, donc je réapparais dans Astra. Le... Ici Célène. J'ai survécu. Vous me recevez? Je suis dans mon vaisseau. Ma combinaison est opérationnelle et... Ok, terminé le principal, terminé le défi. Principal... Ok. 18, un dysfonctionnement, 170 obolites... Objet identifié dans la soute, enlèvement recommandé. Ok. Et là, je vais faire quoi? Ah, c'est pour me reposer, ça? Ça sert à quoi? À part me reposer, bien sûr. Peut-être que ça va changer la map, je sais pas. J'aime franchement le design, l'ambiance, ADA, la BO. Les mecs, ils ont vraiment fait un sacré truc là-dessus. Et donc, je ressors. Et je me retrouve au même point. Chaque fois que vous mourrez, vous retournez au vaisseau écrasé sans les armes, les reliques et les ressources que vous avez obtenues lors du cycle précédent. Les améliorations permanentes et... ok. Ouais, ça va, j'ai toujours... C'est quoi cette sphère, là? Élargir un cycle public... Ah ouais, non, je m'en fous, je joue solo. L'environnement. Il a changé. Ne ressemblait pas à ça avant. Oh la vache. Xénotechnologie requise. Ok. Le secondaire vient de se recharger. Ça par contre c'était pas là à la base.
Ouais, ça fait vraiment la part belle à l'exploration. Il y a un truc de photo là. Pourquoi? Alors, on dirait. Oula! Là-dessus. Attendez. Non, là. Là, il y a quelque chose. Ah! Je peux pas aller dans l'eau. Mais je ne meurs pas pour autant. Ouf! Je prends, ça me permet de me soigner un peu. Hop là! Il y a un petit côté jeu de plateforme dans toute cette affaire. Alors attendez. Ça, ce truc là, il me faut une clé. Ok. Et forcément, je trouverai pas de clé. Dégagez, sale bête. Oh, il y en a un paquet des bestioles. Et les plantes ont l'air de vivantes aussi, tout ça, c'est... C'est glauque. Allez, dégage saleté. Des bestioles, il y en aurait encore une. Ok, ça je peux pas les péter. Et je suppose que les clés, je peux pas les claquer à tort et à travers non plus. Donc là, je dois choisir. Soit je la garde pour plus tard, soit j'ouvre un coffre. Là, je vais être honnête. Hein. Ouvrir coffre, ça plus mieux. Et j'obtiens un autre pistolet, c'est ça? Projectile de surcharge. Ah yes. Il a l'air vraiment mieux. Bon, bah... Ouf. On va continuer. Il y a un tas de bruit dans l'environnement, c'est franchement bien foutu. Il y a quelque chose à où? Alors ça c'est quoi? Une arme alien. Oh! On a trouvé l'arme des Terminator. Des Predators, pardon. Oh! Restez
Récupération d'une arme extraterrestre qui ressemble à nos carabines. Waouh, ça a l'air vachement classe. J'aime bien le design. Et donc, arme en trois propriétés, tir secondaire, des stats et attributs. Donc, tir secondaire, c'est un tir alternatif. Les attributs permettent de modifier le comportement de l'arme. La plupart des attributs sont initialement verrouillés et se déverrouillent à force d'utiliser l'arme. Ok. Niveau de maîtrise détermine les stats des armes. Ok, mais comment je change d'arme en fait? Non, ça, non, ça on s'en fout. Ok. Appareil Xenotech, quelque chose de nécessaire pour l'activer, ok. Moi ce qui m'inquiète c'est que j'ai vu une bestiole, voilà il y a une bestiole là, hein, et je suis pas fou. J'ai découvert un énorme mur derrière lequel se trouve le signal de l'ombre blanche. Je ne peux pas franchir le gouffre. Pour le moment, je vais enquêter sur le relevé énergétique qui provient de la forêt. Journal de reconnaissance Atropos. Qui a activé la diffusion? Tu as vu l'ombre blanche. Ne devrait être connue que de moi. Et maintenant, je l'entends à nouveau, sortie de nulle part. Les centures sont-ils impliqués? Mais comment aurait-il pu savoir? Je dois espérer trouver des réponses au signal. Je piche que dalle. Bien sûr, il y a plusieurs environnements. Il y a sûrement des boss, hein. On en a déjà croisé un. Heureusement, j'ai pu le démolir, mais. Il faut pouvoir l'activer. Je sais pas à quoi il sert. Voilà. Signal d'une autre combinaison détectée. Ok. Ouf. Saloperie. Ok, donc les tentacules au plafond, c'est pas si gentil que ça. Enfin, c'est pas anodin. Où est-ce qu'ils sont? Ah, je viens de péter une... Je viens de péter une statue. Ça, ça m'ennuie. Il y a un truc qui a fait du bruit. Là. Adrénaline niveau 5, parfait. Objet non découvert, attendez. Analyse préliminaire, c'est quoi ce truc? Refroidisseur de tir secondaire. Appareil extraterrestre. Appuyez sur RB pour utiliser les consommables. Objet unique. Ok. Attendez, c'est là. Initialement, vous n'avez qu'un seul emplacement de consommable, vous pouvez transporter plusieurs exemplaires. Ok, d'accord, donc je vais pouvoir faire le tir secondaire plusieurs fois grâce à ça. Voilà, je l'ai eu, saloperie. Bien.
J'essaye, hein, ça coûte rien. Apparemment, non, on peut pas. Bien. Il y a un drôle de truc là, mais ce qui m'intéresse, il y a ça, je peux pas l'avoir. Il y a un truc là au bout. Punaise, mais il y a énormément, hein. Ok. Le jeu est dingue. Dernier mouvement d'un éclaireur, ok. J'ai rencontré les hologrammes de notre boîte noire. Ils montrent mes derniers instants. Ça rassure pas. Éclaireur Astra décédé signal pour récupération. J'ai le droit à une carabine. Dégâts supplémentaires, limite de surchauffe. Oh la vache, une carabine 4 étoiles, tu m'étonnes. Ok, ça va être. Ça va être très violent comme jeu, je pense. Pour ma pomme, en tout cas, ça va être. Ouf! Punaise, il m'a fait peur, salopard. J'ai eu la trouille, merde quoi, saleté. Bon. Un peu de heal, merci. Et donc ça, c'est juste la carabine que j'ai laissée au sol, d'accord. On va continuer. Alice, j'ai interagi avec d'autres versions de moi-même. Mais je crains un jour de revivre ces interactions de leur perspective. Sont-elles vraiment moi? Ou simplement des corps vides. Des échos. C'est peut-être ce qui m'attend. Faut que je trouve un moyen d'utiliser les plateformes Xenotech. Xenotech, pas Xenotech. Qu'est-ce que je raconte? Ah, oh, je suis vraiment pris dans le jeu. Hein. Quoi, ils viennent de. Il y en a qui respawn, non? C'est une blague! Voilà, vous me foutez la paix maintenant? Non, ça respawn! C'est une blague!
bon, vous foutez pas maintenant les bestioles. Alors, il y a des trucs qui sont hors de portée pour le moment. Ok, là je sais rien faire et les tirs vont directement en auto. D'un côté ou de l'autre. Bien. Alors on a ça ici. Et on a ça ici. Quelle est la différence entre ces deux portes? Oh là. D'abord la map. Route optionnelle et l'autre c'est route principale, d'accord. Oui, c'est quoi ce machin? Ce canon. Pour construire avec précision des entités complexes en fonction de leur environnement. Il me faut de l'éther. Ok, mais je sais pas à quoi ça sert. C'est ça le truc? À quoi ça va me servir? Bon, pas grave. Ouf. Alors. J'ai découvert une technologie extraterrestre sur le corps d'un sentient. Le scan indique qu'elle peut améliorer la combinaison. Oh. Ah, ça a l'air dégueulasse. Elle semble utilisable. Intégration du système terminée. Mise en route du test de confirmation. Donc je peux utiliser les téléporteurs maintenant. Oh bah c'est bien ça. On va commencer par récupérer ça. Récupérer ceci. Et puis on va essayer alors. Téléportation d'un point à un autre. Le point d'arrivée semble fixe. Ok, je ne sais pas. Bon, bah... Ok, mais du coup... Donc... Je peux pas utiliser les trucs à longue distance pour l'instant. Je suppose que je dois faire tout le chemin en sens inverse là. Et utiliser un de ces appareils. Celui-ci probablement, ouais. Ouh, sale bête.
Ok, alors il y a ça, un calibrateur neuf. Yay. Ça c'est quoi? Ben, je récupère l'éther alors. Bon. Alors le truc c'est que je sais pas comment fonctionne le système de sauvegarde là-dedans. Donc je pense que ça va être bientôt fini pour cette session. Je vais arrêter là. De cet endroit, c'est parfait pour s'arrêter. Il y a beaucoup de choses ici. Découverte d'une technologie extraterrestre qui produit d'autres appareils. Fabricateur. Fabrique des objets alimentés par des obolites. Ok, donc je peux créer des objets comme ça. Interagir. Le pulseur anti-énergie, une grande fiole, calibrateur. Sensus d'adrénaline, répare l'intégrité de 2% des dégâts infligés par niveau d'adrénaline. C'est une relique de combinaison, d'accord. Autoréparation de la combinaison. Oh. Tout ça, ça a l'air très sympa. Mais je veux voir ça. Ça, c'est quoi? Alors, attendez, parce qu'apparemment, il y a un... Ouais, jonque distance, on va regarder ça après. Je vais scanner ce truc. Découverte de traces d'un langage extraterrestre. Ok, il me faut des fragments. Xénolexique. Je manque de ressources pour déchiffrer ce xénoglyphe. Peut-être ça alors. Découverte d'un fragment de langage extraterrestre. Yay. Un sur 10. Est-ce que la traduction est correcte? Famille sectionnée. Folle agonie. Ok, donc là j'ai littéralement... Ok, je peux aller d'un point à un autre de cette façon. Et yes. Ok. Donc j'ai pas à refaire tous les trajets à pied à chaque fois. Je détecte un étrange relevé énergétique. Je place un marqueur sur ma carte. Ok, ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Enfin, en fait, je vais continuer off-cam, tout simplement, parce que le jeu, il me prend. C'est assez incroyable. Je vais peut-être faire des tours et des détours par où je suis déjà allé, juste pour récupérer les nouveaux trucs. Donc, voilà, en l'occurrence, voilà, je ferai un let's play dessus, je continuerai le jeu selon les retours que j'ai, selon les vues et compagnie, hein, donc tout ça ne dépend que de vous, si je puis dire, et j'ai ça après sûrement une heure de vidéo, sur un jeu qui est déjà sorti depuis un moment, et que tout le monde connaît certainement, mais comme ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. La DA, l'ambiance, les idées, je trouve ça très chouette maintenant, à voir si sur la durée ça devient pas redondant, ça devient pas un peu chiant, ça, je verrai bien. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.